second century, humanity is beginning to colonize space. Before colony ships arrive, habitation vessels are appointed terraforming missions. The Aurora was one such vessel. During its descent, the Aurora was struck by a mysterious energy pulse, resulting in catastrophic hull failure. A single life pod jettisoned prior to impact. You were in that life pod. Et salut à tous et bienvenue pour la vidéo aventure et découverte aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore ce jeu sur le jeu Subnautica, comme vous avez pu voir dans le menu du jeu. Donc comme vous avez vu lors de l'intro, l'avion s'est crashé, enfin l'avion, le vaisseau spatial s'est crashé sur la planète, attiré par une énergie inconnue. Et nous sommes dans ce pod de secours, rescapé, seul, sur cette planète pour survivre. Alors on va de suite attaquer le gros du sujet. Donc pour moi c'est pas un jeu de survie parce que donc vous devez prendre à manger, etc., à boire, mais c'est vraiment tout pourri. Il faut prendre des poissons, c'est toujours la même chose et ça revient souvent, on perd un temps fou. Donc c'est pour ça qu'au début, tout début de la vidéo, vous m'avez vu prendre le mode libre. Donc j'ai quand même une jauge de santé hein, en bas à gauche et une jauge d'oxygène. Je peux mourir, il n'y a pas de problème, sauf que voilà, on s'en fout un peu de la nutrition. Et on prend du plaisir, car pour moi, ce jeu est surtout un jeu d'exploration et aussi de frissons, car vous allez voir, je suis une grosse trouillarde, si je puisse dire. J'ai vraiment très peur à ce jeu, je sais pas pourquoi. Je sais pas, je dois avoir une phobie des profondeurs ou je ne sais quoi. Dans mon adolescence ou dans mon enfance, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en tout cas, vous allez voir que j'ai pas mal peur. Donc je vais vous présenter très 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 rapidement le jeu. Donc c'est un jeu de survie mais surtout d'exploration. Il contient des mises à jour régulières. C'est un jeu à accès anticipé, il est en cours de développement. Tous les mois il y a des mises à jour et pas des petites puisqu'elles sont de plus en plus formidables. Il y a des trucs de dingue qui arriveront dans ce jeu plus tard. Je vais vous mettre une petite photo comme ça. Et je veux vous dire aussi que ce jeu tel que vous le voyez là n'est pas encore passé sur le moteur Unity 5 qui est son objectif. Et il va bientôt l'être. Il y a déjà beaucoup à faire, il n'y a pas de but particulier pour le moment, c'est d'explorer et de se construire, donc on peut se construire des sous-marins et des bases, c'est ce qu'on va voir directement dans cette première vidéo, où là je vous montre un peu le concept, mais vous allez voir que le but est d'aller explorer le vaisseau spatial qui s'est crashé, car j'ai reçu un message, d'ailleurs je vais vous livrer, le voici. Donc pour cela, pour construire cette chose, il m'a fallu que je construise donc un premier petit sous-marin, que je récolte des ressources, que j'aille dans ce petit fabricateur. Tac, et là, je peux exploiter mes ressources. Donc voici tout ce qu'il y a. On le voit un peu rapidement, hein. Il y a des piles, des batteries, il y a des circuits électriques. Il y a tout ce qu'il faut pour les combinaisons, les bouteilles de plongée supplémentaires, des couteaux, des soudeurs, des fusils. Pardon. Un espèce de petit scooter pour aller plus vite. Enfin, c'est très 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 complet, j'en découvre encore en même temps que vous au fur et à mesure des mises à jour. Donc j'ai construit mon petit sous-marin, le voici, le voilà, la petite vidéo de construction. Après ce petit mode sous-marin, il m'a fallu construire cette fois le gros sous-marin. Et pour ça, ce fut
une très grosse rip-off, car le petit sous-marin est faisable, une fois qu'on connaît les mécaniques du jeu, en 20 minutes c'est faisable. Par contre le plus gros, il faut bien une heure et demie de jeu avant d'y arriver, et surtout qu'il y a des choses très compliquées à aller chercher, et à aller chercher au fond des grottes, comme celle-ci par exemple. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Sans oublier qu'on peut faire des rencontres vraiment, vraiment, vraiment inquiétantes aussi, hein, comme dans celle-là. Et nous revoici donc en direct, donc c'est parti pour l'aventure. Alors hop, là, petit lag, alors excusez-moi, c'est pas que mon PC rame, même si ça lui arrive, c'est que le jeu est encore en développement. Ils se sont pas trop souciés des graphismes pour l'instant, puisqu'ils vont passer, ils vont changer le moteur. Donc voici l'avancée des travaux, hein, après 3h, 4h de jeu, hein, ce qui nous a évité pas mal d'épisodes de vues et revues sur YouTube. On va partir directement à l'exploration de cette aurora magnifique. Grâce à ce magnifique cyclope. Alors je ne l'ai pas renommé, on peut le renommer, mais je ne l'ai pas renommé. Donc à l'intérieur, j'ai déjà refermé mon petit sous-marin. Et on va aller prendre des commandes pour aller voir ce qui s'y passe. Et je ne sais pas du tout sur quoi je vais tomber. Hein. Donc hop, pour voir, j'ai aménagé l'intérieur. On peut aménager, mais rajouter des rangements, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Attendez, on va regarder, que ça sera plus vite. Oui, on peut construire des petites bases aussi, et d'ailleurs elles vont être améliorées. Voici des images des prochaines bases, donc je vous montrerai les prochaines quand elles seront améliorées. On peut faire des bases qui sont à l'extérieur comme à l'intérieur de l'eau, etc. On peut faire des échelles, etc., des écoutilles. Enfin, c'est très 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 complet, on va pouvoir aussi améliorer le sous-marin très bientôt. Allez, on peut prendre l'écoute là, donc le sous-marin est bien là, il est où? Nosimus, il est où Nosimus? Alors attendez, un petit problème de... Nosimus, il est où Nosimus? Ah il est là, pourquoi il est là-bas? C'est bizarre ça. C'est bizarre, bon bah on va aller le docker. Ça vous montrera l'occasion. Regardez, il a la batterie, ouais. Ah lui il trace hein. Le problème c'est que la batterie, bon, elle tient longtemps mais pas trop longtemps non plus, et puis je me sens pas en sécurité à l'intérieur. Hop, on va se docker. C'est trop stylé. Allez hop, on est directement là-haut. Allez, c'est parti. C'est bon, j'ai les commandes. Pour le moment je peux manœuvrer. Sens. Ah, j'ai pas trop piloté encore, hein. Je découvre encore mon... C'est pas ce juste là. Mon sous-marin. Et d'ailleurs ça me fait penser que j'ai pas de soudeur.
c'est plutôt dangereux car à tout moment une brèche peut se faire dans le sous-marin et l'eau peut pénétrer. Ah, je me suis tapé quelque chose sur la vitre. On va prendre un peu de la profondeur, mais pas trop. Alors l'Aurora se situe par là-bas, on va y aller. Excusez-moi, un petit chat dans la gorge. Alors ça y commence à être profond là. Et là, je ne connais plus cette zone. Je me suis fabriqué une combinaison anti-radiation. Voilà, continue. C'est de plus en plus profond. On va essayer de voir ce qu'il y a au fond. Proche. Tranquillou. Qu'est-ce que c'est? Oula, il y a du courant ou quoi? Ça a bougé là. On y va. Dans les grandes profondeurs, on est à 54 mètres. Bon, ça va, on n'est pas très profond. Oh la grotte qui tue. La grotte qui tue. C'est sympa la grotte. Mais c'est pas notre objectif. On s'en fait sur notre objectif. J'ai perdu l'Aurora. On va monter à la surface. L'Aurora est un petit peu plus loin. Ok, là on y va. Alors il y a une bête que je n'ai pas encore vue, que j'ai pas envie de voir. C'est une espèce de calamar pieuvre géant qui a été implanté lors des dernières mises à jour. Je ne sais pas du tout à quoi il ressemble, par un pieuvre calamar. Et ça fait plutôt flipper et je crois qu'il est agressif. Tout se passe bien pour l'instant. Oh là 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 là. Ça y est, on a fait le premier frisson. C'est lui. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je connais pas ce bruit de... Oh là là, mais c'est quoi? C'est l'Aurora qui explose ou quoi? On va remonter à la surface, voir ce qui se passe. Non. Allez. Ou alors ces explosions qui sont à proximité de l'Aurora que je ressentais pas un petit peu plus loin. C'est lui qui fait... Ah ouais, non, mais c'est lui qui fait ce... Chaque fois qu'on entend un bruit, ça fait ce bruit. C'est bizarre. Ah, j'ai très peur. Attention. Je vais moucher. Ça a pris. Ça devient très dur, là. Oh là 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 là. Chou là, chou. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il est où mon sous-marin? J'ai tout perdu. Je suis passé où? Il est là-bas. Je suis où là? Je suis gavé loin, je vais me faire déchirer. Ah, c'est le bug de téléportation. Ah non, c'est dommage. On avait un bug, il y a un nouveau bug alors. Ok, il est revenu. Avant, il y avait un bug quand on sortait du sous-marin, on était expulsé super haut. C'est ce qui m'est arrivé, mais dans l'eau. Là, j'ai très peur du coup. Là, du coup, faut pas qu'il fasse des bruits le truc là, parce que là, c'est pas bon. Là, c'est pas bien là. Mince! Désolé pour le côté RP. Oh, pour le côté RP. Déteste ça. Je sais pourquoi je suis venu ici, mais je suis dingue. J'ai pas vu un truc là qui... Non, c'est vrai. Je veux pas regarder derrière moi. Je ne regarde derrière, pas derrière moi. Vite, nage plus vite, nage plus vite, nage plus vite. Dépêche-toi. En fait, je me comporte comme une proie là. Je vais exciter. Oh non, 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 non. Mais j'ai été mais super loin quoi. C'est abusé quoi. Et il va falloir que je aille après en profondeur parce qu'il est plus bien profond. Ouais, je le vois, je le vois. Ouf, allez, on y va. 1, 2. Oh,
Mec, trop RP quoi. Je veux pas regarder derrière moi, je veux pas regarder derrière moi. Non, je veux pas regarder, je regarde pas, je regarde pas, je regarde pas. Non, non, monte. Voilà, ça bouge dans tous les sens. On se casse. Ok. On se casse de là. Je reviendrai avec un soudeur et un fil. C'est trop tendu quoi. Allez, tourne. Gros bourrin là, il est lent. Adieu. Moi je me casse d'ici, c'est trop dangereux. Ah là 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 là. Pff, trop tendu ce jeu. Trop de tension. Est-ce que je me gare là? J'entends plus l'autre psychopathe là. Ok. Ah, je vais être éjecté. Ah ouais, clic droit. C'est bon, j'ai pas été éjecté. Ah ouais, alors, petite astuce, clic droit, vous évitez de votre éjecté. Faut pas appuyer sur E en fait, c'est pas bien. Clic droit. Ok. Ok. Je vais essayer de reprendre. J'en vais aller explorer avec le Simus. Je suis un fou, mais j'ai envie d'aller voir, je suis quand même curieux. C'est qu'un jeu. Le bruit que ça fait déjà. Allez, on y va, c'est parti. Ça, ce bruit qui fait super peur, c'est le Simus qui se referme. Ah ah! Des trucs. Ouais, mais alors j'ai pas trop envie quand même. On va aller voir. Je fais pas E pour quitter parce que c'est pas bien. Oh, une boîte vide! Mais c'est très intéressant comme stuff ça. Allez, on y va. On approche. Qu'est-ce que c'est ça? C'est gros ça. Oh, ça... Je suis en santé. Ah! Ah! Putain, merde! 27%! Oh, hein, il va exploser. Un mur invisible? Ah, oui, je suis dans le réacteur, ok. Oh là 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 là! Qu'est-ce que c'est ces espèces de courants là qui m'arrivent dans la gueule? Il n'y a pas grand chose à voir. 14% d'énergie, 27%. Si je me fais attaquer, je vais me faire dépouiller. Faut que j'aille réparer tout ça. Et je crois qu'on reprendra l'exploration dans l'épisode 2, les amis. Donc si vous voulez ne rien louper de mes aventures, je vous invite à vous abonner. Ça sera bien plus pratique pour suivre tout ça. N'oubliez pas de laisser un petit pouce vers le haut si vous avez aimé. Un petit pouce vers le bas si vous n'avez pas. Un petit commentaire, ça motive. Je suis in the bag. Hop là, voilà, tout va bien. C'est un jeu en développement. Tout va bien, c'est normal. Tout est normal. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.